Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente tout de suite le sommaire. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec une grande délégation de l'ONU, conduite par l'envoyé spécial et la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au menu la situation des Grands Lacs. À chaque journée sa célébration, l'humanité entière a célébré la Journée internationale de lutte contre la pneumonie, l'occasion pour les partenaires impliqués dans cette lutte, dont le Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, de faire un plaidoyer en faveur de l'implantation des usines d'oxygène médical. Et comme je l'ai dit dans le sommaire, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Wang Xia, a été reçu en audience par le président Tshisekedi ce 11 novembre au Palais de la Nation, accompagné de Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO. Le diplomate onusien a fait savoir qu'il en était question au cours de ces échanges de passer en revue les grandes questions se rapportant à la situation actuelle dans la région des Grands Lacs. Suivez. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Xia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière assemblée générale. Discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Et donc, nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADC, la CIRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc, nous avons tenu à rassurer Monsieur le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours, a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022.
Et la presse présidentielle nous informe que la Banque mondiale s'engage à mettre en place d'ici le mois prochain un programme de 250 millions de dollars américains en appui au programme du gouvernement en ce qui concerne la stabilisation de l'Est à travers des investissements dans le deux Kivu et en Ituri. Hafez Ghanem, vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Afrique orientale et australe, l'a indiqué au sortir de l'audience que le président Félix Antoine lui a accordé jeudi soir au Palais de la Nation. Suivez. La Banque mondiale félicite la République démocratique du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son Excellence le Président de la République les priorités de développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact du Covid. Mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son Excellence le Président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est. Nous avons déjà commencé, et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer un nouveau projet de développement de Kinshasa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement des programmes du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans le deux Kivu et l'Ituri. En même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus que 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons donc le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations, par exemple, se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC. Et également sur les secteurs des télécommunications. Nous sommes très heureux de voir que la loi des télécommunications est passée et donc cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois, cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Michel Samalou Kondé a lancé hier le projet de développement multisectoriel et résilience en résidence de Kinshasa, Kinshasa et Linda. James Katamba nous en dit plus. République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a procédé ce jeudi 11 novembre 2021 à Binza Ozone au lancement officiel du projet de développement multisectoriel et résilience urbaine de Kinshasa. Ce projet dénommé Kin Elenda est financé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale. Il permettra de résoudre notamment la question des pénuries en eau potable dans la mégapole Kinshasa.
Prenant tour à tour la parole, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le gouverneur de la ville de Kinshasa et le vice-président de la Banque mondiale, ces personnalités ont souligné l'importance du projet Kinelenda qui vient à la rescousse de la population dans divers secteurs. Pour sa part, le Premier ministre a salué le lancement de la mise en œuvre de ce projet de grande envergure qui permettra à son terme la desserte en eau potable de plus d'un tiers de la population quinoise, tout en permettant le suivi de cette impulsion venue du président de la République et chef de l'État. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son excellence, monsieur le président de la République, au lancement justement du projet Kinelenda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les trois phases, ça sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous, on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Nous espérons que nous aurons d'autres types de projets de cette envergure sur le reste, bien sûr, de la République. Et nous, en tant que gouvernement, nous allons nous assurer du suivi de cette impulsion qui est venue de son excellence, monsieur le président de la République, et être à côté des travaux qui vont se mener jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur terme. D'une durée de 2 ans, le projet Kinelenda vient également renforcer la résilience de la capitale congolaise aux inondations et autres catastrophes, tout en améliorant l'aménagement du territoire, les infrastructures urbaines, les services et la modernisation des établissements informels. Les investissements de durabilité du projet Kinelenda ciblent des sources de revenus spécifiques pour Kinshasa en s'appuyant sur des projets existants. Les solutions à faible entretien sont une priorité, lampadaires, solaires, revêtements routiers et matériaux durables pour les routes, les allées, les murs et autres aménagements paysagers et les plantes indigènes qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau. Ce projet vise aussi la gestion des déchets solides et l'assainissement. Au moins 14 civils ont péri dans une nouvelle incursion d'hommes armés assimilés aux rebelles ougandais de l'ADF la nuit du jeudi au vendredi 12 novembre au village Kasunga, chefferie des Bashi, dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Les assaillants ont également enlevé une trentaine de civils, dont les infirmiers locaux, et ont incendié le centre de santé de ce village. Trésor Kapepela. D'après un habitant de Kisunga, les rebelles étaient majoritairement composés des femmes et des enfants, porteurs d'armes à feu et porteurs d'armes blanches. Ils ont assiégé le village vers 21h sans aucune résistance et s'y sont mis à tuer des malades internés au centre de santé Kisunga sans épargner leurs gardes. Parmi les rebelles, il y avait des femmes et des enfants. Ils ont emporté plusieurs gardes malades. Ils ont emporté également des infirmiers. Ils ont également incendié tous les bâtiments de l'hôpital. Ils étaient arrivés vers 22h et se sont mis à incendier ces maisons sans aucune résistance. Et c'est quand ils voulaient repartir qu'ils se sont mis à tirer plusieurs balles. Et sur leur chemin de retour, ils ont également abattu 8 autres civils. Ici, localement, nous comptons 6 morts, bilan provisoire, dont une centenaire de l'hôpital, des malades et des gardes malades. À part les morts, au moins 30 personnes, dont certains infirmiers, ont été enlevées avec peu de chances d'être retrouvées vivants, poursuit la même source. Nombreux civils ont été kidnappés. Nous ne savons pas s'ils sont combien. Tout ce qui est centre de santé a été incendié. La position de l'armée est à environ 25 km d'ici. Heureusement que les médecins qu'on croyait kidnappés a été retrouvé. Avant de se retrancher, ils ont complètement incendié les centres de santé local et tout son contenu, puis prendre la direction du parc de Virunga dans le Graben. L'armée ou aucune autre source officielle ne s'est encore prononcée pour le moment. Beni, Trésor Kapipila Benjamin, Antenne A. La haute cour militaire qui juge le prévenu commissaire divisionnaire
Adjoint Elvis Palanganawege, poursuivi pour homicide involontaire, a clôturé jeudi 11 novembre 2021 l'instruction de la cause et a renvoyé les parties à la plaidoirie. Ceci après avoir rendu public le rapport d'expertise balistique de la police technique et scientifique. Sylvain Capombo-Singele. L'affaire du meurtre de l'élève policier Zinou Nkunzi Alain à Kasangoulou lors d'un exercice de tir, dont le commissaire divisionnaire adjoint Palanganawege Elvis est poursuivi et jugé devant la haute cour militaire pour homicide involontaire, touche lentement mais sûrement à sa fin. Ce jeudi 11 novembre 2021, la haute cour militaire s'est dit suffisamment éclairée au regard de l'instruction qu'elle a menée dans ses dossiers. Les rapports d'expertise balistique émanant de la police technique et scientifique a révélé dans sa conclusion que c'est l'arme du prévenu général Elvis qui avait tiré la balle, laquelle avait donné la mort à l'élève policier Zinounou. Un rapport que l'organe de la défense a contesté à chaud. Pour les avocats de la défense, le travail des experts de la police technique et scientifique n'est qu'un copier-coller du premier rapport, écarté en son temps du débat par la haute cour militaire. Contrairement à ce qui avait été décidé, ces policiers experts qui sont sous la couverture de certaines puissances occultes, sont allés faire du papier collé du rapport qui était écarté à son temps par la haute cour militaire, qu'ils ont amené sous une autre version. Scandaleusement, ce sont les mêmes experts qui ont eu à faire ces rapports, qui ont eu à signer les égons. C'est qu'ils n'ont eu qu'à transposer la conclusion du rapport antérieur. En d'autres termes, ils n'ont pas eu à travailler. La défense a demandé à la haute cour militaire de mettre à l'écart un rapport boutiqué. Boutiqué pour les besoins de la cause. Un rapport illégal, violateur des droits de la défense. Un rapport qui a été obtenu en violation des règles de la procédure pénale en matière d'obtention de la preuve. La cause a été renvoyée à 2 semaines pour la plaidoirie des parties et les réquisitoires du ministère public. Le président et porte-parole de la cohésion provinciale de notables issus de 366 provinces, groupement du Congo central, Joseph Mabanga, a soutenu que les notables de la dite province sont contre la réhabilitation de l'ancien gouverneur Matubwana. C'est l'extrait de l'émission Au rendez-vous. Nous demandions de venir secourir un peuple en danger. Parce que dès lors que la plus haute institution judiciaire, au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une autre institution, rend un arrêt, on vous notifie. Vous, ça serait une rébellion. Ils sont ici pour des raisons qu'ils connaissent. Je l'ai redit ça en face. Aujourd'hui, je l'ai répété ça par les médias. Mais le silence. Et, mais, il ne manque pas quelqu'un. Mais Lazado, maître Jean-Claude Katende, il est la seule organisation qui a appuyé la population. La population du Congo central vous dit merci. Et le Dieu qui les a créés connaît et bénit davantage. Je ne dis pas qu'il va maudire les autres, mais il bénit celui qui bénit l'autre peuple. Bon, alors, nous avons dépassé cette étape. Je vous dis, le procureur général près de la Cour constitutionnelle a écrit à Atou Matouman Nkunzi, objet gouverneur de Chi, et réserve au ministre de l'Intérieur et lui demande de nommer l'intérimaire. Kakonde, tout puissant, heureusement qu'aujourd'hui il est objet. Les choses vont. Les minutes vont se dérouler, les jours passent, l'argent du contribuable du Congo central est pillé. C'est ainsi que la cohésion provinciale va saisir... Votre structure. Oui, va saisir la cohésion. Elle est là, vous voyez bien que ce sont des gens qui vont l'unité. Et l'unité, si vous voulez sortir... Du panier, il vous reprend pour que vous veniez ensemble défendre les valeurs. Il ne faut pas
défendre. Alors, maintenant, on a saisi le 20 novembre 2020 et nous avons joint les preuves de la médiation. Ce n'est pas un acharnement. Jacques Mba doit laisser 2,5 millions de dollars pour terminer le stade. Voici 3 ans qu'il est mort. Le stade se trouve dans l'état où il a laissé. Parlons santé à présent dans ce journal. Le programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës en collaboration avec Save the Children a organisé la 13e journée de la pneumonie autour du thème Halte à la pneumonie. Chaque souffle compte. La cérémonie a eu lieu vendredi 12 novembre à l'hôtel Memling. José Moussangana et Hugues Moussangilaï pour le compte d'Antenne. Halte à la pneumonie. Chaque souffle compte. C'est autour de ce thème que l'humanité entière a célébré ce vendredi 12 octobre la journée mondiale de lutte contre la pneumonie. En cette 13e édition, l'heure était aux engagements afin d'en finir avec ce fléau. Le directeur du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, Dr Jean-Fidèle Ilonga, brosse un tableau sombre de cette maladie en République démocratique du Congo. Et la situation chez nous est assez grave quand même, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et même beaucoup d'adultes qui font de la pneumonie. Aujourd'hui, nous sommes autour de 2 900 déjà jusqu'au mois d'octobre, hein, donc c'est quand même beaucoup de cas. Et l'année dernière, on était à 4 500. Pour sa part, le directeur pays Save the Children, Amavi Akpa Magbo, a profité de la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, pour faire un plaidoyer en faveur de l'implantation des usines de production d'oxygène médical. Des efforts restent à fournir pour rendre disponible l'oxygène médical, comme nous l'a rappelé tout à l'heure le directeur du PNIRAM, car il demeure une des composantes majeures et les plus efficaces dans le traitement de la pneumonie sévère avec détresse respiratoire. Les chiffres montrent que seulement 6% des formations sanitaires disposent de l'oxygène médical pour les soins respiratoires dans l'ensemble du pays. Combattre la pneumonie, c'est aussi le cheval de bataille de Chai DRC, tel que le mentionne son directeur pays, Dr Jean Kaseya. Au niveau global, Chai travaille dans ce qu'on appelle le groupe mondial de travail sur la diarrhée et la pneumonie. Et Chai contribue à créer des matériels pour les soignants et les agents de santé de première ligne, afin de s'assurer qu'ils ont les connaissances et les compétences nécessaires pour sauver des vies. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a assuré les partenaires impliqués dans cette lutte de son accompagnement. De communautés prêtes pour le changement climatique, tel est le thème de la Semaine mondiale de la science au service de la paix et du développement. Une occasion de mobiliser tous les acteurs, des responsables gouvernementaux aux médias, en passant par les étudiants. Esther Badibiavia. Au jour le jour, chaque année, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est célébrée pour permettre non seulement de rappeler l'importance et la pertinence de la science dans la vie quotidienne, mais aussi pour insister sur la nécessité de faire participer le public au débat sur les questions scientifiques émergentes. En rapprochant la science de la société, cette journée vise à faire en sorte que les citoyens soient informés du développement scientifique. Elle met aussi en lumière les rôles que les scientifiques jouent dans la compréhension de la planète, système remarquable et fragile, et dans la consolidation des sociétés. En cette année 2021, la célébration de cette journée souligne l'importance de bâtir des communautés prêtes pour les changements climatiques. Une occasion de mobiliser tous les acteurs, des responsables gouvernementaux aux médias, en passant par les étudiants. Pendant la COP26, plusieurs pays ont renouvelé leur engagement en levant de fonds pour lutter contre les réchauffements climatiques.
La République démocratique du Congo a balayé jeudi 11 novembre à Dar es Salaam l'équipe nationale de la Tanzanie par la marque de 3-0 en match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2021. Les autorités congolaises ont poussé les léopards à la victoire. Patrick Borel Mukindi. Léopards de l'ère des Congos ont donné 3 coups de griffe au Taifa Star de la Tanzanie dans un match à 2 visages, 2 mi-temps, 2 systèmes. Mais je pense que notre équipe a bien travaillé défensivement, au-delà de la chaleur et au-delà d'autres problèmes. Mais la situation positive est que nous, on a eu des occasions, de 3 occasions et on les a mis. Et aussi, il y avait des choses très importantes, je pense. Le groupe, et ils étaient plus unis. Pas d'euphorie, il faut rester concentré. Je pense qu'on va continuer à travailler. Nous avons un grand match qu'on va jouer le dimanche contre le Bénin. Ici, il n'est pas question de minimiser l'adversaire. Toutes les nations engagées à cette compétition sont très bien préparées. Donc on a vu le Bénin battre la Tanzanie ici à Dar es Salaam. Et la Tanzanie est allée aussi battre le Bénin à Cotonou. Donc il n'est pas question de dire que voilà, on joue à domicile, on doit se relaxer. Non, non. Le joueur congolais ont joué avec cœur et hargne. La confiance d'abord des joueurs. Les joueurs ont décidé de prendre ces choses en charge. Et ils ont fait un bon résultat. Ils ont fait un très bon match. Ils nous ont épatés. La première mi-temps, malgré le but, on était encore hésitant. Mais la deuxième mi-temps, elle était parfaite. Nous profitons pour demander au chef de l'État de venir assister, encourager les joueurs. Parce qu'on jouera à Kinshasa, c'est un match plus important. Et sa présence a été toujours bénéfique pour les Léopards. Donc, c'est une invitation déjà au chef de l'État qu'il soit au stade, si au moins son emploi du temps lui permet, pour venir encourager, pousser les Léopards vers la victoire avant la dernière étape. Le joueur tanzanien et leurs supporters ont passé une journée cauchemardesque. Mais du côté congolais, c'était la fête. Une fête qui pourra continuer les dimanches au stade des Martyrs dans une finale du groupe J face aux écureuils du Bénin. Une victoire et les souhaits de tous. À présent, je vous invite à suivre l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Afrique du Sud, le dernier président blanc, Frédéric de Klerk, est décédé à l'âge de 85 ans. De Klerk, connu pour avoir officiellement mis fin à l'apartheid et libéré l'icône Nelson Mandela, avec qui il a partagé le prix Nobel de la paix, est décédé au Cap d'un cancer des poumons. La Russie et le Mali ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur partenariat militaire, arguant d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. Les Occidentaux accusent des mercenaires russes, notamment du groupe Wagner, signalés ces dernières années en Syrie et en Afrique, de servir les intérêts de Moscou sous couvert d'activités privées, ce que dément le Kremlin. Boeing a reconnu sa responsabilité dans le crash du 737 MAX qui avait fait 157 morts en Éthiopie en mars 2019. La compagnie s'engage à dédommager entièrement toutes les familles qui ont perdu des proches dans l'accident. Le vol 302 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi s'est écrasé 6 minutes après son décollage à cause d'un logiciel défectueux. En Algérie, 3 personnes ont été tuées jeudi après l'effondrement de leur logement à Alger, causé par un glissement de terrain, portant à 6 le nombre de morts dans la capitale depuis mardi en raison de fortes intempéries. Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres éventuelles victimes, a indiqué la protection civile. Complément d'information à présent dans cette revue sélectionnée, commentée et sélectionnée pour vous par Polydor Patrick Ngaziem. Le duel entre le gouvernement et le personnel enseignant du secteur public de l'EPST s'est enfin dénoué. Le gouvernement a décidé de reculer pour sauver l'année scolaire, lit-on à la une du journal Econews. La gratuité de l'éducation de base ne sera plus mise en place dans sa forme originale, écrit-il. Au terme des concertations de Mouela Lodge dans le Congo central, poursuit les tribunaux hebdomadaires, le gouvernement s'est finalement plié à la pression du personnel enseignant du secteur public de l'EPST. C'est dire que pour sauver l'année scolaire 2021-2022, les parents d'élèves seront obligés d'apporter leur contribution. Plus question donc d'une gratuité absolue, n'en déplaise au ministre Tony Mwaba qui avait juré que la gratuité de l'enseignement de base était non négociable et par conséquent irréversible. Néanmoins, fait savoir Econews,
Dans ce duel, il n'y a ni perdant ni gagnant. En politique, Forum des As annonce la confirmation de la marche du CALCC, du Milapro, de l'AMUCA et du FCC. Il n'y aura plus un second report pour cette marche annulée le week-end dernier. Elle aura lieu demain, samedi 13 novembre 2021, sur l'ensemble du pays, indique le quotidien. Le gouverneur de la ville est appelé, interpelle le tabloïd, à éviter une autre manifestation comme celle de l'Union Sacrée prévue le même jour sur le boulevard Triomphal. À l'Assemblée nationale, rapporte la prospérité, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bogi, a procédé hier jeudi 11 novembre devant la représentation nationale à la présentation du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021. Ce projet contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses chiffrées à 16 621,6 milliards de francs congolais, équivalent à 8,3 milliards de dollars américains, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. Bogi passe donc de 7 milliards à 8,3 milliards de dollars américains, comme l'affiche Africa News. Et c'est pour la première fois dans l'histoire des finances publiques de la RDC qu'on va faire une loi rectificative du budget dans le sens de la hausse. L'avenir renseigne sur le lancement par le Premier ministre Samalou Kondé de Kin Elenda pour répondre aux besoins des Kinois. Il s'agit d'un projet lancé avec un budget de 500 millions de dollars américains pour sa première phase, explique le quotidien. Kin Elenda va générer des milliers d'emplois directs et indirects pour les Kinois, rapporte-t-il. Il va assurer la croissance économique, la viabilité écologique et l'inclusion sociale des populations vulnérables. D'ici septembre 2022, rassure le journal, date de la mise en exécution de la première phase de construction du complexe de traitement d'eau de Binzaozone, les quartiers de Ngaliema, Lukunga, Bumbu, Bandalungwa Moulard, Mongafula, Cité Verte ne connaîtront plus de problèmes d'eau. Enfin, lutte contre la Covid-19, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ accuse le docteur Muyembe de monnayer les vaccins, apprend-on avec le journal. Le monitoring réalisé par cette organisation révèle que, contrairement aux déclarations du gouvernement présentant la campagne vaccinale contre la Covid-19 comme gratuite, elle est en réalité payante et exclue de ce fait tous les Congolais lambda incapables de débourser les montants exorbitants exigés ici et là. La CAJ cite notamment l'Institut national de recherche biomédicale INERBE qui exige 30 dollars pour la première dose et HJ Hospitals qui exige 25 dollars pour cette dose sous réserve d'un paiement supplémentaire à la seconde. Ce que ACAJ considère comme une discrimination à l'égard des gagne-petits et leur exclusion assumée du bénéfice d'un de leurs droits fondamentaux, à savoir le droit à la santé qu'il revient à l'État de protéger. Bonsoir. Voilà, ce journal est à présent terminé, mais avant de vous dire complètement au revoir, je vous invite à ce rappel de titre. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec une grande délégation de l'ONU, conduite par l'envoyé spécial, et la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au menu la situation des Grands Lacs. À chaque journée sa célébration, l'humanité entière a célébré la Journée internationale de lutte contre la pneumonie, l'occasion pour les partenaires impliqués dans cette lutte, dont le Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, de faire un plaidoyer en faveur de l'implantation des usines d'oxygène médical. Et voilà, ce journal est à présent terminé. Dites merci à Patrick Borel qui en a été le chef d'édition ainsi que toute la grande équipe d'Antenna. Ma semaine est finalement terminée. Je vous retrouve peut-être très prochainement. Demain, Sylvie sera là à 19h pour vous servir. Au revoir et à très bientôt.